vous allez bien. Ici, tout va très bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Mila. Par contre, je vais tout de suite le préciser, mais même vous devez le savoir. Mila, je ne la montre pas sur les vidéos, donc je vais cacher son visage parce que tout simplement, voilà, elle n'a pas l'âge de s'exposer sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça fait un long moment qu'elle me demande pour faire une vidéo avec moi. Donc bon, je me suis dit, allez, on va faire un petit effort et je vais la faire participer, mais bon, tout en la cachant. Alors aujourd'hui, le principe, c'est simple. Mila, elle va me maquiller. Alors j'avoue, je ne suis pas très rassurée hein, parce que bon, elle n'a que 3 ans. Donc voilà, niveau maquillage, elle ne sait pas trop comment faire. Et même des fois quand on est adulte, on sait non plus pas trop manier le pinceau. Enfin du moins certaines, moi je suis pas une pro également. Donc c'est vrai que j'appréhende entre guillemets. Alors par contre la seule chose que j'ai mis sur mon visage, c'est mon fond de teint. Parce que ça je voulais pas trop la laisser faire. Parce que j'ai bien peur qu'elle m'en mette partout, plus dans les cheveux que, sur le visage. Donc voilà, ça j'ai déjà fait. Maintenant je vais la laisser faire tout le reste. À mon avis on va bien rigoler. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le maquillage. Donc je vais vraiment te donner les bases. C'est vraiment ce que j'utilise quasiment tous les jours pour me maquiller hein. Enfin et encore c'est vraiment les choses très basiques, c'est à dire le fard à paupières, le mascara et encore ça hein, j'ai peur qu'elle me crève un oeil. Enfin voilà, c'est vraiment du truc basique hein. Je vais pas lui donner des produits de fou comme l'anticerne, la poudre. Quoique la poudre je vais pouvoir le donner, je crois que je vais en chercher un tout à l'heure. Allez, on commence. Tu veux commencer par quoi? Tu veux commencer à mettre quoi sur le visage de maman? Reste comme ça. On va mettre, elle a choisi l'ombre à paupières. Donc j'ai pris l'ombre à la palette que j'ai trouvée chez Primark. Donc c'est celle-ci. Elle va mettre la couleur qu'elle a envie. Donc tu te tournes dans l'autre sens parce qu'il faut que tu sois en face de maman pour maquiller. Je vais poser tout ça. Je vais lui donner également le pinceau. Et donc voilà, vas-y. Tu choisis la couleur, peu importe. Tu prends, le pinceau. Vas-y, fais. Doucement. Voilà. Et tu le mets sur le visage à maman, où tu veux. Non, pas sur toi, sur maman. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Non, c'est paillettes. Ah, tu mets des paillettes? Oui. C'est bon? Oui. Et l'autre? Ah. Vert. Je suis jolie? Oui. Ouais, elle met la dose. Hein. Bon, ce qui est déjà bien, c'est qu'elle sait que ça, ça se porte sur les yeux. Ensuite, c'est fini? Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu veux mettre? Regarde là. Donc voilà le rendu. Plutôt pas mal, enfin bon, j'ai vraiment une tonne. Qu'est-ce que tu veux mettre là, entre choisir? Ça. Le rouge à lèvres. Alors, elle a décidé de prendre le rouge à lèvres. Alors, j'ai laissé Mila choisir la couleur du rouge à lèvres. Et bien entendu, elle n'a pas choisi une couleur discrète. Elle a choisi bien une couleur bien foncée. Donc, elle a choisi celui-ci. Donc, c'est de chez Action, je crois. Je suis même pas sûre. Oui, c'est de chez Action. Donc, c'est la couleur rouge. Elle aurait pu choisir une couleur un peu plus claire. Mais non, voilà, elle a vraiment décidé que maman, elle soit bien flashy dans le visage. Allez, vas-y, tu mets sur... Non, elle me tend ses lèvres parce qu'elle croit vraiment que c'est elle qui va se maquiller. Non, non, non. Bon, je t'en ai mis un peu sur la bouche. C'est bon? Oui. T'es jolie? Non, mais maintenant, il faut que tu fasses chez maman. Vas-y. Encore? C'est pas assez. De côté, donc voilà. Bon, on est plutôt pas mal. Bon, un peu dépassé, mais franchement, je m'attendais à pire. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais aller chercher la poudre. Je me dis pourquoi pas lui donner la poudre, ça peut être marrant. Mais ouais, pour l'instant, bon, franchement, je m'attendais à pire, mais bon, voilà. On va voir ce que ça va donner à la fin. Je vais récupérer la poudre et je vous reprends de suite. Et donc, je suis allée récupérer
une poudre ainsi qu'un blush, tant qu'à faire. Voilà, je vais pas lui dire où il faut le mettre parce que voilà, bon, le fard à paupières, elle sait où ça va, le rouge à lèvres également parce qu'elle me voit quand je me maquille où je le mets. Donc ça, c'est vrai qu'elle sait très très bien où ça s'applique. Après, pour ça, je suis pas très très sûre. On va voir ce que ça donne. Tu veux commencer par quoi, Mila? Tu veux mettre quoi d'abord à maman? Elle veut commencer par la poudre. Par contre, je vais lui donner le pinceau. Tu viens là? Devant maman? Tourne-toi dans l'autre sens. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'elle va faire. Vas-y. Bon, bah, elle sait où ça va. Hein. Elle sait que ça va sur les joues. Tout en délicatesse, elle fait vraiment tout doucement. Voilà. C'est bon? Allez, on va prendre celui-ci maintenant. Le blush, donc c'est le blush de chez L'Oréal Paris. Je vous dis en tout cas faire. Vas-y, tiens, ça c'est le pinceau. Et tu y vas, vas-y, pareil. Bon, elle monte un peu plus haut. Voilà. Encore? Et moi? Non, pas toi. T'es trop petite. Oui, Mila, elle veut très très souvent se maquiller. T'as pas encore l'âge. Tu t'es jamais mis du rouge à lèvres, ma fille. Tu fais que la joue là? Tu fais pas l'autre côté? Oui. Oui? Oui. Bah vas-y, fais l'autre côté. Mais elle se met sur elle. Oui. Non, chez maman. Pas chez Mila. Toujours du même côté. Allez, soyons fous. Allez, un peu sur le nez, ouais. Tu dis quand t'as fini? Oui. Oh. C'est bon? Oui. Bon, ça c'est fait. On va passer aux choses un peu plus délicates. Alors, ça. Ça par contre, à mon avis, tu sais pas où ça va se mettre, c'est un eyeliner. À mon avis, elle sait pas du tout où on va mettre ça. Vas-y. Ça se met où? Là. Où? Là. Sur les yeux? Oui. Tu me dis quand t'as fini, hein? C'est beau? Oui. Bon. Attends, donne, reste de côté juste. Donc voilà. Je suis belle? Oui. Oui, je suis belle. Ah bah punaise. Voilà. Je suis obligée de rigoler là, c'est trop. C'est trop quoi. Bon, elle sait déjà que ça se met sur, sur les paupières en fait, mais bon, elle est. Allez, on va dire. Bon, je sais pas si je vais lui donner le crayon. J'ai peur qu'elle va faire un cardage. Non, je vais pas lui donner le crayon parce que j'ai peur qu'elle me crève un œil. Mais bon, c'est vrai que franchement, elle sait où s'appliquent les produits, quoi. Je me suis dit, ou peut-être que ça va plutôt me le mettre autour de la bouche. Mais ça va. Pour une enfant de 3 ans, elle sait plus ou moins où ça se met. Bon, ça, c'est le dernier produit qu'on va mettre sur le visage de maman, d'accord? Oui. Alors, c'est le mascara, donc c'est le Panorama, c'est vraiment mon chouchou. Donc, je sais pas ce qu'elle va faire avec. Ça se met où? Là. Ouais, bon, elle va toujours sur le même endroit. À mon avis, les cils, elle sait pas trop. Je préfère qu'elle me les mette ici que. Non, faut pas mettre les mains dessus. Voilà. Et l'autre côté? Bah attends, là, attends, bah, je vais lui faire parce que sinon elle va en mettre partout, partout, partout. Vas-y, l'autre côté. Je crois qu'elle veut me déguiser en indienne ou j'en sais pas trop quoi. C'est bon? Voilà, tu te mets de côté Mila, le temps que je finisse.
Donc voilà le rendu final de mon maquillage selon Mila. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc le rouge à lèvres, hein, un peu débordé. On croirait, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, une star qui déborde bien le contour des lèvres. Mila reste juste de côté. Les yeux, bon, au niveau fard à paupières, ça va, c'est plutôt pas mal. Bon, elle s'est un peu étendue et puis c'est vrai qu'elle a mis la bonne dose. L'eyeliner, voilà. Le mascara, je sais pas, elle a voulu me faire en indienne ou je ne sais pas trop quoi. Après, la poudre et tout ça, elle m'en a mis un peu partout. Enfin, voilà, concernant le maquillage que Mila m'a fait. Donc, maman, est-ce qu'elle est jolie? Oui, elle me trouve jolie, donc c'est l'importance. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, ça m'a bien éclaté, comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air. Après, voilà, moi, comme dit, les vidéos avec Mila, c'est vraiment très très rare. Et pourtant, elle me demande très souvent de vouloir participer à mes vidéos. Mais bon, voilà, nous, on est un peu du principe que pour l'instant, elle est trop jeune pour qu'on la montre, bien que je sais qu'elle aimerait trop participer. Donc voilà, c'est pour ça quand même que j'ai essayé de faire un effort et de faire une petite vidéo avec elle. Et puis c'est vrai que ça m'a bien éclaté. Donc n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air. Et puis surtout, ça fera plaisir également à Mila de voir que sa vidéo a été vue. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Oui. Mais ça, maman. Ah ben, elle a vu que le crayon, elle ne l'avait pas mis. Tu veux mettre encore ça sur le visage à maman? Ouais, mais par contre ça, faut pas appuyer fort Mila, parce que j'ai peur qu'elle me casse le crayon. Et c'est vraiment celui-là que j'utilise tous les jours. Faut vraiment aller doucement. Tu veux le mettre où ça, sur le visage à maman? Ça. Encore sur les yeux? Ah non, sur les sourcils. Sur ça? Ouais, pourquoi pas. Là. Ouais, là. Bon. Tout un art ça. Oui voilà, c'est ce qui est arrivé. Elle m'a cassé le bout. Bref, c'est pas grave, je vais le tailler et puis voilà, ça fera l'affaire. Donc elle m'a rajouté du crayon un peu sur les sourcils. Bon, là c'est fini Mila. Là c'est bon maman. Ah d'accord, il est là le bout de crayon. Voilà. Concernant ce petit maquillage, comme je l'ai dit, si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Je pense que je vais faire plus souvent des sortes de challenges et défis, ça peut être très très marrant. En attendant, on va se débarbouiller. Mila, elle s'est mis du crayon partout sur les mains. Viens voir, attends, reste là. Voilà, donc on va se débarbouiller, hein, moi je vais dire, hein, parce qu'on va pas rester comme ça. Et comme dit, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut !